Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur W23. Franchement, je vais pas vous mentir, en ce moment, je m'excuse hein, qu'il y ait moins de vidéos de catch par rapport à d'habitude. Clairement, voilà, vous avez votre carrière, là on en a eu deux, on fait le showcase, on fait plein de choses. Et je me lasse pas de faire après les combats que vous me proposez, les combats que je me propose à moi-même, les combats aléatoires, toutes ces choses. Mais c'est vrai que là, c'est pas que j'ai saturé. Et pendant deux semaines, j'ai pas eu envie de faire de vidéos de catch. Voilà. Donc je m'excuse pour le manque. Hein. Je sais que vous avez eu un peu cette habitude pour ceux qui regardent que les vidéos de catch. Oui, il y en a qui regardent pas les découvertes, malheureusement. Mais pour les vidéos de catch, oui, généralement, oui, tous les jours, entre 19h et 20h30, il y a toujours une petite vidéo à la cool. Là, il n'y en a pas, parfois. Donc je m'en excuse. Je vais essayer de rattraper tout ça. Mais je vous l'ai toujours dit, je suis une personne qui fonctionne à l'envie. C'est que si j'ai envie de faire des vidéos, bah vous allez en avoir plein. Parfois 2, 3, 4 par jour. Tout dépend mon envie. Et bah, quand j'ai pas envie, bah, il n'y aura pas. Et je pense que c'est une bonne chose de pas se forcer. Là en ce moment, mon envie, enfin, c'était mon envie plutôt, mais c'était de faire des découvertes, des live Twitch, m'amuser, faire autre chose que jouer à des jeux de catch. Là, bah, ça me manque. Bah, du coup, je rejoue. Donc, certains comprendront, je pense qu'ils diront, mais heureusement, faut toujours faire par envie et pas par, comment dire, pas par intérêt, mais être obligé à le faire, sinon ça se ressent. Une personne qui fait, voilà, je regardais plus mon écran, je regardais dans le ciel, je sais pas pourquoi. Une personne qui fait quelque chose alors qu'il se sent un peu forcé, tout de suite, ça passe beaucoup moins. Voilà, c'était juste pour vous expliquer. Il y en a qui verront même pas la différence, ils diront, mais quoi, hein, il y a eu un petit peu moins de vidéos de catch, moi j'ai pas fait gaffe. Hein. C'est vrai. Oula. Et aussi, l'une des raisons, c'est que ça vient de s'entendre, je suis toujours malade. Ça fait à présent plus de quasiment 3 semaines que j'ai chopé quelque chose, une grippe, peut-être le Covid, je sais pas ce que c'est. Je me suis soigné, hein, j'ai pris du sirop, j'ai pris des médicaments, j'ai pris du repos. Je vais m'étendre en vacances, voilà, pour essayer de me soulager. Et pour le moment, rien ne fait. Je suis toujours malade, et comme c'est quelque chose qui est par rapport à la gorge, à la tête, etc. Enfin, moi qui ai besoin de ma voix pour être avec vous, pour commenter les vidéos, et pour te dire tout plein de bêtises, à vous douter que... Bah, c'est comme si tu dis à un sportif, enfin un joueur de foot, à qui a un problème à la jambe, ça va être compliqué. Bah, moi, j'ai mal à la gorge, je tousse toutes les 30 secondes, bah, c'est pas ouf. Rien que pour vous déjà. Saute! Saute! Mais arrête de faire ton... Attends, vite, descends. Alors Nakamura, il nous déçoit. Hein. Nakamura, bah là, il est bien mouru. Alors pourquoi Robert Wood, Nakamura? Je sais pas. J'ai vu les deux superstars, j'ai fait... Pourquoi pas, après tout. Allez, debout. Parfois, il y a des matchs comme ça... On essaie de mettre... Oh, magnifique esquive, là. Genre, par contre, tu te relèves comme ça. Tu te prends mon spécial, tu te relèves comme ça. Bien. Et pour ceux qui se poseraient la question, parce que je sais qu'il y en a qui se la posent, et je sais qu'on me la reposera, dès que je fasse une vidéo dédiée, comme ça, au moins, le titre est vite compris. Touquet24 bah, sera annoncé, logiquement, comme ça fait 2 ans, il sera annoncé en janvier, logiquement. Enfin, si on prend la même base. Mais j'en ferai une vidéo spéciale. Que souvent on me dit, bah alors Coty, des news, 2K24. Bon. Normalement, il sortira. Ça, y a aucun souci. Mais. Quand, pourquoi. Est-ce qu'on. Logiquement, il sortira toujours un peu avant WrestleMania. Parce que je crois que les chiffres de vente sont plutôt bons. Dans cette période. Que c'est vrai que quand tu sors au mois de mars, t'as moins de jeux. Que lorsque tu sors un jeu au mois d'octobre, au mois de septembre, au mois de novembre, ok, c'est Noël, les cadeaux et tout, mais quand t'as 50 jeux, c'est un peu plus difficile. Et voilà, ça c'est bien ça. Glorious. Bien joué. On se prend pas la tête là. Même si je vois que dans le public, les gens sont pour Nakamura. Faire attention à Kinshasa. Et vite arrivé, par contre aussi de mon finisher, vite arrivé aussi.
Là, on était bien. Oh, bien joué, ça. Le contre du spécial. Magnifique. Dans ces moments-là, on voit si on a toujours nos réflexes ou pas dans le jeu. Et pour le moment, on les a. Et je dirais même, peut-être, qu'on a gagné. Eh ouais. Attention. Il tombe enchaîné. Avec une petite embrouille. Oh là, il a tourné autour de lui. Et il est en train de dormir. What? Pourtant, il n'avait pas de révolte. Genre, il s'est réveillé aussi vite. Depuis quand tu te réveilles aussi vite et tu me fais ça? J'avoue. Surpris. Et là, genre, lui va réussir. C'est ça? C'est ça? Non, 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 non. Vous l'avez vu, on s'était relevé. On s'était relevé, l'arbitre tricheur. L'arbitre tricheur, bon, ce match, il est particulier parce que j'ai dominé à 300 000%. Et la finalité du match, c'est que j'ai perdu. Bon, c'est pas grave, Nakamura, je t'aurai pour la prochaine fois. C'est dommage, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas, un petit like, merci à vous. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et puis c'est tout. Allez, salut.